Pour sa première sortie officielle, Ledwevi a choisi la transparence en se prêtant au périlleux exercice de la conférence de presse. C'était jeudi 22 août 2018 dans les locaux de la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Résultante du rachat de l'Alliance africaine d'assurance vie, connue sous l'appellation 3AVI, Ledwevi, compagnie d'assurance d'origine nigériane, a 48 années d'existence. Tiarno Koulibaly, directeur général de Ledwevi, revient sur la solide base d'investissement de cette compagnie qui compte 291 employés dans 23 branches et 6 filiales dont la dernière en date est celle de la Côte d'Ivoire. Sur le marché nigérian, un chiffre d'affaires est supérieur à celui de toute la zone CIMA. La zone CIMA comporte 14 pays, mais toute notre zone CIMA, cette compagnie a un chiffre d'affaires plus élevé que le chiffre d'affaires qu'on fait sur tous les 14 pays. Donc vous voyez en termes de taille ce que c'est. Cette compagnie également a compris la question de culture. Dans cette compagnie, vous avez le réassureur Suisse-Ré, que vous connaissez, qui est également un des actionnaires principaux d'une compagnie que je ne vais pas citer parce que c'est un complément, mais qui apporte également son savoir-faire en termes de règles internationales, de normes. Imprégné des manquements, insuffisances, récriminations et attentes des clients, Tierno Koulibaly, directeur général, Yeboah Kofi, directeur de la clientèle des particuliers, tous deux ivoiriens, ainsi que la Belge Cathy Van Begin, directrice commerciale et marketing, comptant chacun une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'assurance, apportent des offres alléchantes. Personne quitte Mans, Kourou, Bouna, n'importe où, pour venir jusqu'à Abidjan pour prendre 25 000. Je pense que c'est un supplice qu'on fait faire à la clientèle. Aujourd'hui, il faut rompre avec cette tradition. Il faut donc apporter l'assurance auprès de la clientèle. Donc permettre à celui qui est à Bouna, celui qui est à Kourou, celui qui est à Bassam, à Boisseau, à partir de chez lui, de pouvoir initier une prestation et de recevoir la réponse immédiatement et lui dire à quelle heure, à quelle date vous serez payé. En vue de simplifier la vie des assurés ivoiriens, Ledwevi propose l'utilisation de la technologie numérique. La nouvelle génération de compagnies d'assurance compte rapprocher le service auprès du client en commercialisant à partir d'une tablette numérique, une application et l'ensemble des moyens de règlement dans le paiement mobile. Nous avons donc déjà un site internet qui est ci.lidway.com que vous pouvez visiter dès à présent et qui vous donne l'ensemble des informations sur la compagnie, l'ensemble des informations sur nos produits. Je peux m'avancer sans risque de me tromper que nous avons le seul site de compagnie d'assurance vie où vous avez des produits, où vous pouvez acheter les produits, où vous pouvez interagir avec des personnes qui sont de l'autre côté et qui sont à notre centre d'appel. Parce que nous avons un centre d'appel qui va donc prendre l'ensemble des informations que les clients voudront nous donner pour enrichir notre base, mais également leur donner toutes les informations dont ils ont besoin. Notre centre d'appel est disponible au 20 01 31 00. Vous pouvez appeler, vous ne tomberez pas sur un standard téléphonique, vous n'aurez pas plusieurs sonneries et personne ne vous répond comme c'est l'habitude. Donc vous aurez quelqu'un au bout du fil qui va vous donner toutes les informations que vous voulez. Autre innovation, outre le digital et la qualité des services, la rentabilité des produits au premier jour de la souscription sans aucun frais de gestion à débourser. Soutenant mettre le client au cœur de ses préoccupations, Ledwevi soutient anticiper sur la suppression des 30% du montant des contributions du client sur la première année affectées aux agents commerciaux en guise de commission, et ce, conformément aux exigences du régulateur. La rentabilité vient des placements que vous faites sur le marché. Et cette rentabilité-là, vous la partagez avec vos clients. Et nous voulons partager le maximum avec nos clients pour leur donner confiance et pour faire en sorte que l'assurance vie soit quelque chose de normal pour les gens. Parce que sur d'autres cieux, c'est tout à fait normal d'avoir un contrat d'assurance vie parce qu'on veut se préserver dans le futur. Monsieur a parlé de contrat à un an. Ces contrats à un an également ne sont pas une anomalie de notre marché. Et le régulateur également l'autorise. Donc il y a des contrats courts parce que vous avez des personnes qui ont des ressources courtes et qui veulent peut-être les placer juste en attendant une opération, quelque chose qu'ils veulent faire. Donc sur ces contrats également, nous vous promettons 3,5%, qu'est-ce que le régulateur autorise,
Mais avec les performances de notre gestion, les performances de notre portefeuille, cela peut être porté à des niveaux supérieurs. Et au bout d'un an, sur mon temps, vous avez également payé. Ce sont des contrats qui existent dans d'autres compagnies d'assurance pour des gens qui ont des ressources, mais qui ne peuvent pas les garder sur le long terme pour un projet imminent. Mais il est mieux de faire confiance à une compagnie régulée plutôt que de garder cela sous le matelas pour le confier à un parent qui pourra avoir un problème. Donc c'est également, ce sont des produits que les compagnies d'assurance vie proposent. Les clients ont assez fait pour les compagnies d'assurance vie. Donc, maintenant on doit alléger ces charges. Et pour pouvoir l'alléger, nous avons décidé d'aller sur le marché avec du digital. Donc au lieu d'avoir beaucoup de papier à imprimer, beaucoup de trucs à imprimer, nous n'allons pas faire ces impressions, nous pouvons utiliser une seule tablette pour faire toutes les opérations dont la concurrence aura besoin autant de papier pour le faire. Dès lors, on peut dire que nos chargements, les charges de la compagnie sont allégées, on peut faire profiter de cet allègement-là à nos clients. C'est le social. La bonne dame qui vit avec ses trois enfants, si elle perd son mari, toute la charge est revenue. Est-ce qu'il faut la laisser dans le dénuement? Non. Je pense qu'il faut lui permettre de prendre un contrat qu'elle peut payer. Ne serait-ce qu'une journée de vente, 1500, 2000 francs, elle a une protection sociale. Si elle venait à perdre quelqu'un, elle a un casse qui va lui permettre de continuer à vivre sans forcément avoir besoin du recours de son mari. Le mot est lâché, cette démocratisation de l'assurance par Lead Wavy s'inscrit dans le social en vue de mettre l'assurance à la portée de tous. Quatre agences ouvriront bientôt leurs portes à l'intérieur du pays afin de rapprocher davantage le service du client.